Oui, chaque minute, on a des remontées de terrain. Alors, il y a bien deux choses distinctes. Entendons-nous bien. Il y a tous ces collègues, notamment à Marseille et autour, qui se retrouvent essentiellement en arrêt maladie, burn-out, maladie psychique, physique. En tout cas, vous savez, ça fait de nombreuses années hein, que notre organisation dit que les policiers sont à bout, qu'on tire trop sur la corde et qu'il suffira de pas grand-chose pour qu'ils craquent. Eh bien, ce pas grand-chose est arrivé et c'est quelque chose de relativement grave puisqu'il s'agit d'une détention provisoire d'un collègue. Et donc, du coup, ça a engrangé chez nos collègues de Marseille en particulier, mais autour également, beaucoup de souffrances et donc des arrêts maladie qui se succèdent par centaines. Et puis, à côté de ça, nous, la nuit de jeudi à vendredi, en tant qu'organisation syndicale, on a suivi en direct, hein, évidemment, les présentations au JLD des différents effectifs, des différents collègues qui ont été présentés cette nuit-là. Et puis, on a appris cette détention provisoire qui, pour nous, est absolument incompréhensible. Et très vite, dans les minutes qui ont suivi, nous avons appelé à un 562, c'est-à-dire à ce que les effectifs sur l'ensemble du territoire national entrent en service minimum, ce qui est le cas, et c'est particulièrement ça qu'on observe sur le reste du territoire national. Oui, vous dites en fait, agissons en responsabilité quand même en cas d'urgence, vous êtes pour un service minimum quand même. Enfin, on reste quand même des policiers, on est là pour sauver la veuve et l'orphelin, pour protéger les personnes les plus vulnérables, et pour ne pas non plus bafouer la nécessité de porter secours à des personnes qui sont en danger, notamment pour leur intégrité physique. Donc il y a bien cet appel au service minimum, il est question de ne plus faire de politique du chiffre, d'ailleurs chose qu'on dénonce depuis de nombreuses années. Il n'y a plus de raison de faire de l'initiative, il n'y a plus de raison d'aller sur la voie publique pour aller faire du contrôle routier, du contrôle d'identité, interpeller pour une barrette de shit, faire de la verbalisation, faire de l'initiative, prendre le risque de se retrouver face à un refus d'obtempérer, oui, avec tout ce que ça suppose derrière. Et donc, du coup, nous, en tant qu'organisation syndicale, et on est la seule à prendre cette responsabilité parce que nous n'avons que faire de cette politique du chiffre, eh bien, nous avons appelé à ce 562 sur l'ensemble du territoire national. Et ça, particulièrement, ça prend bien. Beaucoup de réactions, bien sûr, à ce qui se passe, à la fois du côté de votre hiérarchie, y compris de l'exécutif. J'aimerais qu'on revienne à ce qu'a dit le directeur général de la police nationale. Est-ce que vous avez vécu comme un soutien sans faille les propos de Frédéric Vaux et dans la foulée le soutien à demi-mot puisqu'il a dit qu'il approuvait entièrement le propos de Frédéric Vaux de Laurent Nunez, préfet de police de Paris. Vous vous êtes dit, ah, enfin, eux nous comprennent. Écoutez, moi, je ne suis pas amenée à analyser ou à commenter les propos du directeur général de la police nationale ou du préfet de police, mais ça va de soi. Ce sont des paroles qui, je pense, sont sincères et qui sont nécessaires. Je ne pense pas qu'ils fassent ça de manière calculée, ça, c'est mon avis personnel, mais ils ont surtout bien conscience de ce qui se passe dans les rangs et de la situation gravissime dans laquelle on se trouve. On a énormément de souffrances aujourd'hui dans les rangs des policiers. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça fait des années qu'on en parle. Et puis là, cette détention provisoire, elle jette l'ensemble de nos collègues dans une forme d'incompréhension et une abîme incroyable. Et donc, évidemment, ces propos sont nécessaires. Est-ce que ça va régler le problème? Certainement pas. Est-ce que ça va libérer nos collègues? Certainement pas. Et est-ce que ça va mettre fin à cette grogne? Certainement pas. Je parlais des différentes réactions. Emmanuel Macron, depuis Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, où il a entamé sa tournée dans le Pacifique, n'a pas voulu se prononcer. Mais tout en ayant dit cela, il a quand même dit, au détour d'une phrase, « Nul aujourd'hui n'est au-dessus des lois », tout en rappelant, le fameux « en même temps », que la présomption d'innocence valait pour tout le monde. Est-ce que ça vous a déçu? Est-ce que vous vous dites qu'il est dans un équilibre difficile vis-à-vis de la séparation des pouvoirs et au fond, il est dans son rôle? Alors pour être déçu, il faut déjà s'attendre à quelque chose. Donc non, je ne suis pas déçue. Il y a deux choses. Oui, nul n'est au-dessus des lois. Néanmoins, les policiers ont le sentiment très sincère et factuel d'être en dessous des lois. Je rappelle juste une chose pour que les gens comprennent. En matière d'usage d'une arme, nous avons, nous policiers, la délégation de l'usage de la force. C'est-à-dire que quand vous voyez un policier dans la rue qui a une arme dans les mains, a priori, vous estimez qu'il le fait dans le cadre de ses missions. Ce qui n'est pas le cas du citoyen lambda, dont on peut imaginer qu'il y a derrière une activité crapuleuse. Or, dans le traitement judiciaire qui est fait, et je vais faire des comparaisons très simples et d'actualité, eh bien, le traitement qui est réservé à ces policiers quand ils sont présentés à des magistrats, c'est un traitement réservé à un criminel de base qui aurait fait usage de son arme dans son intérêt personnel. Je rappelle juste que dans le même temps, le 14 juillet à Caen, il y a un monsieur qui, à coup de marteau, a fracassé le crâne d'un enfant de 12 ans. Eh bien, ce monsieur aujourd'hui, dont on ne comprend pas les raisons de son acte, est laissé libre jusqu'à son procès. Je vous rappelle que tous les jours, 12 000 policiers, en l'occurrence par an, tous les jours, des policiers sont agressés, certains mutilés. Eh bien, les auteurs sont laissés libres jusqu'au procès. Et là, on a un policier qui n'est pas un voyou, qui apporte toutes les garanties de représentation, qui ne va pas fuir, dont le numéro de téléphone, les coordonnées de son domicile et même les coordonnées bancaires sont connues de toutes les administrations,
qui ne va pas se concerter, qui ne va pas exercer de pression sur les protagonistes de cette affaire, eh bien, qui lui est placé en détention provisoire. Alors vous allez nous dire, bah oui, mais il y a la pression de la rue. Vous comprenez, on crame des bagnoles. Et donc ça veut dire aujourd'hui que les délinquants, les voyous, les criminels, ceux qui crament des bagnoles, guident la main des magistrats. Vous, en tant que policier, on s'assure la paix sociale à travers ce genre de décision. Bah, c'est raté parce que je vous rappelle qu'à Nanterre, il ne faut pas oublier aussi notre collègue de Nanterre qui a été placé en détention provisoire sous les mêmes arguments, c'est-à-dire préserver la paix sociale, je vais mettre 5 guillemets. Finalement, ça n'a pas marché, puisque les émeutiers ont mis le pays à feu et à sac. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui que ce sont les délinquants et les criminels qui guident la main des magistrats. En tout cas, c'est profondément notre avis en tant que policiers. Nous ne sommes pas des sous-citoyens. Et d'ailleurs, notre organisation syndicale, et c'est très important, a depuis plusieurs jours déjà, et on a commencé à rencontrer des groupes parlementaires, revendiqué des choses très claires. Un statut spécifique du policier mis en examen. On ne peut pas considérer un policier dans le bureau du magistrat de la même manière qu'on traite un criminel. L'anonymisation complète, parce qu'aujourd'hui, on a des policiers, dans le contexte que l'on connaît depuis un mois et demi, qui sont clairement en danger, ainsi que leur famille. Et puis également, c'est une chose importante qui, je pense, réglerait bien des problèmes, eh bien que des magistrats spécialisés à l'usage des armes dans des conditions dégradées, telles que le vivent les policiers, eh bien soient mis en place, soient formés et en tout cas s'occupent des dossiers d'usage des armes par les policiers. Ce serait un bon début, et sans vous parler aussi d'une protection fonctionnelle qui soit enfin efficace et que les policiers arrêtent de courir après leur administration pour que leurs frais d'avocat soient pris en charge. On va y revenir de toute façon, mais pour ceux qui nous regardent et pour qu'on comprenne bien, le juge, pour rebondir sur ce que vous disiez, le juge a retenu au fond deux motifs. Un, empêcher toute pression sur la victime, des proches ou des témoins. Deux, empêcher toute concertation frauduleuse avec les autres policiers. On a bien compris que ces motifs vous paraissaient complètement à côté de la plaque. Parlons de Gérald Darmanin, après avoir évoqué la personne du président de la République. Lui aussi est à Nouméa. Sa venue est ardemment souhaitée à son retour sur le terrain. Il va devoir prendre position clairement, lui, entre un Emmanuel Macron et un Laurent Nunez. C'est de lui que vous attendez le plus de soutien aujourd'hui ? On peut attendre du soutien, mais nous, ce qu'on attend surtout, c'est en fait un traitement juste du dossier de nos collègues qui aujourd'hui sont en prison et qui n'ont pas, et notamment, je pense, pour celui qui est en prison depuis près d'un mois, pu voir leurs femmes et leurs enfants. On parle de gens qui, le matin, sont sortis de chez eux avec vocation de pacifier la société et qui, le soir même, ne sont pas rentrés chez eux. On ne parle pas de criminels qui sont sortis pour aller braquer une banque. Et donc, nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'on prenne en considération cette situation. Ce qu'on attend aussi, puisqu'on entend souvent, et notamment des gens de la NUPES ou des militants qui sont bien inféodés à des idéologies particulières et particulièrement anti-flics, d'entendre dire « oui, il faut la séparation des pouvoirs ». Mais quel pouvoir représentent les policiers ? On ne représente aucun pouvoir. On n'est ni l'exécutif, ni le législatif, ni le judiciaire. Et c'est d'autant plus, quand je vois Mme Mathilde Panot, qui tweet qu'il y a un problème de séparation des pouvoirs, elle et ses sbires. Elle se trompe de Attendez, juste une chose. De mémoire, il ne me semble pas que ce soit des policiers qui, au pied des tribunaux judiciaires, demandent non pas justice mais vengeance dans l'affaire Adama Traoré et qui, eux, en l'occurrence, bafouent toutes les règles en matière d'indépendance de la justice. Donc nous, en tant que policiers, tous les jours, on est auxiliaires de justice, tous les jours, on sait ce qui se passe. On nous parle de surpopulation carcérale, des pédophiles qui sont condamnés et qui bénéficient d'un bracelet. Ouais. Parce que vous comprenez, surpopulation carcérale, on nous dit oui, les policiers ont la délégation de l'usage de la force, mais une fois qu'ils font usage de l'arme, eh bien, ils sont traités comme le pire des criminels. Pour nous, c'est absolument plus entendable. Et nos collègues aujourd'hui, et je tiens à le dire, c'est un mouvement qui vient de la base. Il n'y a pas de calcul politique. C'est un mouvement qui vient de la base. Nos collègues sont à bout. Ce sont des burn-out, ce sont des fatigues psychiques, ce sont des ressentis physiques. Nos collègues aujourd'hui à Marseille, autour, et il ne faut pas oublier ceux qui sont sur la plaque parisienne, notamment à Nanterre, qui sont aussi en souffrance. On a eu le même cas avec les motards qui, la semaine qui a suivi la détention provisoire de notre collègue motard, se sont retrouvés aussi en burn-out. Oui. Eh bien, c'est un mouvement qui vient de la base. Nous, en tant que représentants du personnel, on l'accompagne. On se fiche complètement de savoir que les chefs de service soient en train de taper du pied parce que, vous comprenez, les chiffres des services sont pas assez bons et donc leur rémunération risque d'en pâtir. Nous, ce n'est pas notre sujet. On a un problème sur la base. Il faut absolument répondre à cette souffrance. Parlons justice. Le président du tribunal judiciaire de Marseille a rappelé que l'indépendance de la justice était un principe constitutionnel et il conteste la remise en cause des dirigeants de la police. On a l'impression aujourd'hui que le face-à-face, cette opposition police-justice n'a jamais été aussi fort. On l'avait vu déjà avec la nomination à l'époque de Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. On avait dit ces deux-là seront-ils réconciliables ? Là, on a l'impression que ce sont les deux entités qui sont en train de se faire face et que ces points de vue sont irréconciliables.
Bah, Comment on en sort ? Je ne pense pas que ce soit deux institutions qui soient irréconciliables. Je pense que ce sont des personnes qui feront une mauvaise appréciation d'une situation. On parle de dossiers bien précis. On parle d'éléments factuels. On parle d'un travail objectif au quotidien des policiers qui constatent que des délinquants et des criminels sont libérés. Combien de fois sur votre chaîne et sur d'autres, on traite de faits divers et à chaque fois, les journalistes disent « Eh bien, la personne était connue des services de police, elle attendait son procès dans des faits similaires, précédents, puis comme elle a été laissée libre, elle a recommencé à voler, violer, agresser, tué, parce qu'au final, eh bien, on estime aujourd'hui, c'est, vous savez, le principe de lutte contre la surpopulation carcérale, qu'il faille éviter de mettre des personnes en prison. Oui. Et tout à coup, pour des policiers, on arrive à trouver des matelas en rab. Mais ça, c'est un problème, c'est un vrai problème. Comment avez-vous vécu ce communiqué sorti ce week-end, bien sûr, du Syndicat national de la magistrature, qui trouve au fond des circonstances atténuantes aux émeutiers, ça c'est dans la foulée de l'affaire Nahel, et qui enfonce la police. Ça vous a blessé, enfin, les hommes et les femmes que vous représentez ont été blessés par ces mots, par ces lignes? Quand vous lisez le communiqué du Syndicat de la magistrature, vous comprenez pourquoi je suis sur votre plateau ce soir. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je sens aussi toute la colère, beaucoup de colère sourde qui est dans votre voix. Et pourtant, on a l'habitude de Ce syndicat est indigne et vraiment fait une injure permanente à la justice. Et je déplore vraiment que l'on puisse aujourd'hui accepter que des propos aussi séditieux que ceux du syndicat de la magistrature... Je rappelle juste, pour ceux qui ne savent pas, que le syndicat de la magistrature a été fondé, notamment par un homme, Oswald Baudot, qui a fait une harangue en 1974 et qui a dit, je ne fais que le citer, « Protéger le voyou contre le policier ». On a tout dit. C'est l'inversion des valeurs. Faut-il des juridictions spéciales donc, pour juger les policiers? Vous en avez dit un mot. C'est-à-dire qu'au fond, on estime que le travail d'enquête doit être plus adapté au cadre dans lequel ils agissent sur le terrain, parce que ce sont des enquêtes effectivement plus minutieuses, les circonstances sont plus difficiles à établir. Il faut vraiment qu'on aille dans ce sens pour éclaircir toutes les zones d'ombre qui peuvent entraver le travail ou qui peuvent... semer le trouble sur ce qui se passe réellement? Oui, très concrètement, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand un policier fait usage d'une arme, pas seulement de son arme létale, mais de l'armement intermédiaire également, eh bien, le dossier est transmis au parquet dès lors qu'il y a une saisine, notamment IGPN, donc il y a une enquête judiciaire, et puis ce sont des personnes qui, au quotidien, traitent des affaires générales. Et donc, ils vont traiter de cet usage de l'arme sans forcément pouvoir apprécier les conditions d'usage que sont celles des forces de l'ordre, et notamment la situation dégradée, le stress, l'effet tunnel, mais également tout simplement des choses très bêtes. Le code de sécurité intérieure, et je vous le dis très sincèrement, autant il a été très mal rédigé en 2017, et nous à l'époque déjà on avait dit attention, il n'est pas assez bien bordé et il ne sécurise pas assez les effectifs, autant aujourd'hui il y a des magistrats qui ont beaucoup de difficultés à l'appréhender. Et d'ailleurs on s'est retrouvé plusieurs fois dans des situations similaires où le code de sécurité intérieure a été très mal appréhendé par des magistrats qui ont finalement traité le dossier comme un usage d'armes par un citoyen lambda. Or l'usage d'une arme par un policier ou un gendarme, ce n'est pas l'usage d'une arme par un citoyen lambda et on ne peut pas absolument pas l'aborder de la même manière. Et donc oui, nous, notre organisation syndicale, la Unité AGP, on demande des magistrats spécialisés qui connaissent en fait l'usage des armes en situation dégradée et de stress et en prenant en compte aussi les conditions d'exercice des forces de l'ordre, c'est-à-dire cette délégation d'usage de la force. Et probablement, ça ne réglera pas tous les problèmes parce qu'il y a plein d'autres choses à régler derrière. Mais en tout cas, on pourra avoir des magistrats qui sauront de quoi ils parlent. J'aimerais juste vous faire réagir à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon ou ce qu'il a mis sur Twitter. Il a dit aucune sanction, même verbale, du président. Les abus sont encouragés, consternants. Il est à côté de la plaque. Les abus sont, je répète, les abus sont encouragés. En gros, il semble dire qu'on vous demande d'aller casser de l'émeutier, d'une certaine manière. Non, mais en fait, on parle de quelqu'un qui est à moitié sénile. Donc, en fait, moins on parlera de lui et mieux il fera d'écart. Une fois qu'on a dit ça, en fait, M. Mélenchon, je rappelle que c'est « touche-moi pas, je suis la République ». Donc, je veux dire, en matière de factieux, de séditieux, on n'a pas fait mieux que lui. On est quand même une personne qui a été le leader d'un mouvement qui, aujourd'hui, dont les membres, aujourd'hui, au motif qu'ils ont une écharpe, se glissent au milieu des Black Blocs lors des manifestations. Et lorsqu'il y a des charges policières, estiment, ou de gendarmes, estiment qu'elles ne doivent pas avoir lieu. Ce sont des personnes qui sont une injure permanente aux institutions. Et je vais rajouter une chose supplémentaire, ce sont des personnes qui sont une injure permanente aux quartiers populaires et aux plus pauvres de ce pays qui ont voté pour eux. S'il y a bien un endroit où on a besoin d'avoir une police, où on a besoin de sécuriser les personnes, où on a besoin de lutter contre les voitures qui brûlent, les trafics de stupes qui pourrissent la vie des gens, eh bien c'est bien dans les quartiers populaires. Et là où eux, ils vont faire leur marché, au final, une fois qu'ils ont récolté leur voix, eh bien ils font juste du business. Et ça ne m'intéresse pas, ces paroles extrémistes. C'est juste un homme qu'on devrait tous oublier. Linda Kebab, on comprend bien que la profession, on a un peu ras la casquette, pour employer une expression...
un peu triviale, un peu familière. Mais comment redonner confiance à ces hommes, à ces femmes aussi, elles sont nombreuses, pour qui ça reste un sacerdoce et un métier passion. On l'entend souvent à travers la voix des représentants syndicaux policiers, sachant qu'ils ont quand même, on oublie parfois, on omet de le dire, le soutien quasi unanime de la population. Enfin, on le voit bien, sondage après sondage, il y a plus de, pas unanime, mais plus de 7 Français sur 10 qui saluent l'action de la police. Ça doit quand même, à un moment donné, remettre un peu du baume au cœur. Ça remet du baume au cœur, évidemment. Les policiers ont bien conscience sur les chiffres que les 3/4 des Français aiment leur police. Néanmoins, nous, au quotidien, on est confrontés aux justiciables, on est confrontés au pire, à la misère sociale, à la souffrance, à la violence, à des personnes qui nous haïssent, qui nous agressent, qui nous violentent, et puis aussi à des victimes qui sont elles-mêmes en souffrance et pour lesquelles on intervient. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une pensée pour un collègue de Tarbes qui a intervenu sur des violences conjugales. Vous savez, le fameux sujet supposé être une grande cause nationale. Eh bien, vous savez quoi? Ce policier est ressorti bourré de morsures avec des policiers et des pompiers qui ont été blessés. Moi, j'attends juste de voir dans quelques jours quel va être le traitement judiciaire réservé à cet auteur de violence conjugale qui, derrière, s'est acharné sur des policiers et des pompiers. En réalité, les policiers ont confiance dans leur mission. Oui. Ils n'ont pas confiance, en revanche, dans la capacité des institutions à les protéger dès lors qu'ils entrent en action. Et d'ailleurs, ça répond en partie à cet appel du service minimum. C'est-à-dire que nous voulons pacifier la société, mais nous avons peur, à juste titre, on a deux policiers en détention provisoire, que dès lors que nous faisons usage de la force, eh bien nous nous retrouvions lâchés par les institutions, pire, jetés dans le gouffre de la détention provisoire. Donc les policiers aiment profondément leur métier, et je peux vous dire une chose, c'est parce qu'ils aiment profondément leur métier qu'ils sont dans cette situation. Merci beaucoup Linda Kebab d'être venue sur notre plateau, d'avoir répondu à nos questions.